aujourd'hui. Je pense que tous les Maliens de tous les bords, aujourd'hui, sont convaincus qu'ils doivent se lever comme un seul homme pour que le Mali reste indivisible et que ce pays vive une démocratie réelle, puisque pendant 20 ans quand même, le Mali était sous un régime démocratique, malgré les difficultés, et qu'il est possible donc de régler ces problèmes qu'il y a. Nous souhaitons tous que ces forces qui ont occupé le nord du Mali puissent accepter un dialogue ouvert, mais c'est à condition qu'ils se présentent à l'État malien, aux institutions sous-régionales, pour bien nous dire ce qu'ils veulent et que nous puissions, si cela était possible, trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Évidemment, si ce qui est demandé est illégal et inacceptable, vous voyez bien qu'il est difficile d'accéder. Nous considérons, et c'est la position de la CEDEAO, que l'intégrité territoriale du Mali n'est pas discutable.